suis donc frère convert. Maintenant que nous exerçons différents travaux dans la maison, que ce soit la cuisine, la buanderie pour le linge ou un peu le ménage, tout ça, l'entretien divers des locaux, la peinture, la vitrerie. C'est vrai que nous avons beaucoup plus de travail manuel. Nous avons environ 6 heures par jour de travail. Pas de délai, c'est une vie très calme. C'est une vie d'oraison et tout est mis au service de la prière. J'ai été un jeune de mon temps, touché par les idéologies d'aujourd'hui. Par la culture de ce temps, c'est-à-dire il y a une grande partie de ma vie où la foi n'avait plus vraiment d'incidence dans ma vie. Et donc j'avais fait des études de philosophie. J'ai une formation d'agriculture. Ça a commencé assez dans l'enfance où je me suis posé la question. Enfin non, j'ai retenu plutôt ce type de vie en visitant le musée de la Grande Chartreuse. Et après, c'est revenu un peu comme une ritournelle tout au long de ma vie à peu près. C'est difficilement exprimable la manière dont ça se produit. C'est une forme de certitude. Enfin, pour moi, la vocation de chaque personne est le plus grand mystère après le mystère de Dieu, finalement. C'est insondable. Pourquoi il appelle un tel en chartreuse, il appelle un tel à se marier, un tel dans une vie apostolique, ça dépasse la raison pour moi. La modalité pour vivre en solitude pour la vie de frère convert est un peu différente de la vie des moines du cloître, dans le sens où nous avons moins cette dimension de la claustration entre quatre murs et l'exiguïté de la cellule finalement. Nous avons quand même une bonne part de vie cellule puisque nous prenons nos repas en solitaire. Nous avons une partie du temps de la matinée avant la messe conventuelle qui est en solitude. Ensuite, après les vêpres aussi, donc nous avons toutes nos soirées finalement en solitude, ce qui fait quand même une bonne partie de notre journée solitaire. Et autant que possible, la règle nous demande qu'on travaille en solitaire aussi. Donc ce qui fait que notre vie de solitude, la différence est surtout, on va dire, géographique ou liée à l'espace. C'est-à-dire que notre espace est plus large dans le monastère, puisque nous travaillons dans les ateliers. Mais normalement, nous sommes amenés à travailler en solitude, dans les ateliers aussi. Là, c'est beaucoup plus facile quand même de se recueillir, d'être dans le silence. Tout de suite, on sent la présence de Dieu, plus ou moins, selon les charismes.
Donc le silence, finalement, n'est pas que durant les temps d'oraison, si je puis dire, où là on s'abandonne totalement au Seigneur, on ne fait rien, on ne lit pas, on ne chante pas. Le silence est partout, partout présent. Si on sait le garder, le capter et le garder, je dirais. Le frère doit pouvoir vivre sa vie dans la paix du cœur et du coup rejoindre la grande tradition monastique des Pères du désert. Certains vont pratiquer une prière de type le Saint Nom de Jésus, de type Jésus, Fils de Dieu Sauveur, prends pitié de moi pécheur. D'autres vont pratiquer la prière mariale. D'autres vont pratiquer la méditation, la rumination de certaines paroles de l'Écriture. Donc normalement, notre vie de travail manuel doit laisser justement, à la différence des études, l'esprit libre pour pratiquer cette prière continuelle qui est une répétition, une rumination de la parole de Dieu. Le travail manuel, comme disent les statuts, comme une ancre, doit tenir le cœur dans une forme de stabilité. Il nous permet, en un sens, de garder bien les pieds sur terre, mais les mains sont occupées, le corps est actif, pour laisser l'esprit libre et le cœur dans une disponibilité pour pratiquer la prière, qui est une méditation de la parole, finalement. La vocation des moines du cloître met plus l'accent sur le premier aspect, qui est se tourner vers Dieu, notamment par la liturgie. Les frères mettront plus l'accent, par leur vocation de service, sur l'amour de Dieu dans le service des frères. Donc c'est toujours une complémentarité. Il me semble que les moines du cloître ne trouveraient pas la plénitude de leur vocation sans les frères, et les frères convers, en tout cas dans notre vocation, trouvent leur accomplissement dans le service, puisqu'il y a vraiment dans le service la joie du service. Cet équilibre entre vie commune, vie solitaire, qui faisait dire à certains anciens, nous ne sommes pas des solitaires, nous sommes une communion de solitaires. Il y a un frère qui, je dois dire, m'édifie beaucoup. Il y en a plusieurs d'ailleurs, mais qui font des tâches totalement ingrates. Ils ne lisent pas, donc ils ne peuvent pas
se flatter eux-mêmes en récréation en sortant de belles phrases théologiques. Et pourtant, parfois, on parle avec eux en spassiment, en récréation. On se dit, mais quelle sagesse, quelle droiture. On est impressionné. Comment ça se fait que moi qui ai lu les œuvres complètes de Thérèse d'Avila, Catherine de Sienne, Jean de la Croix et tous les docteurs de l'Église, je sois moins docte qu'eux? On découvre ce que le Seigneur nous dit dans l'évangile du lavement des pieds, c'est une béatitude. Il a caché, en un sens, une béatitude dans le service. Effectivement, le service est un chemin de libération de son égoïsme, de... Il peut y avoir quelque chose d'humiliant, mais justement c'est très bon pour l'humilité, parce qu'on se met en dessous de l'autre pour le servir. Mais c'est dans cette humiliation, au début, qu'on découvre qu'il y a quelque chose d'une béatitude, qui est en fait une humiliation de notre orgueil, de mon orgueil. Dans le mûrissement de ce chemin de service, d'humilité, c'est une libération finalement de l'égoïsme qui va toujours vouloir nous tenir emprisonnés sur nous-mêmes, sur moi-même. Je pense que la plus grande joie déjà de tout homme sur terre, créature dépendant du Créateur, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Donc à partir du moment où on a dit oui à Dieu et qu'on est dans sa volonté, on a cette paix. On l'a tout de suite. Après, c'est vrai qu'avec tous les combats, elle peut s'estomper, mais ça revient, ce qui nous permet de tenir et d'être là où Dieu nous veut, avec les grâces qu'il nous a données pour cela. Ça me rappelle donc mon passé, dans toute ma vie, partout où j'ai été, que ce soit à l'école, dans les différents travaux que j'ai fait aussi bien dans les bureaux qu'en usine, ou donc ma vie religieuse avant, je n'ai jamais été bien. Je n'ai jamais eu de paix profonde ni de joie, car je n'étais pas à ma place, ni là où Dieu m'appelait. Pour moi, c'est un grand paradoxe, c'est que je ne comprends pas, mais j'ai jamais eu l'impression d'être aussi riche depuis que ma vie est aussi pauvre, si on peut dire ça comme ça. L'humilité est vraiment à la fois la racine et le fondement de notre vie, et à la fois aussi la couronne qui achève une vie de moine. Elle est ce qui est comme la chaîne du chapelet qui retiendrait, qui maintiendrait ensemble tous les grains que seraient les vertus de notre vie. Et à la fois, elle est le fondement. Tenez vos racines et vos lampes allumées. Soyez semblables à des gens qui attendent leur maître à son retour de noces. La vie éternelle, c'est dès maintenant. On commence à goûter ce que nous disent les statuts, les biens du monde à venir. Donc on commence à rentrer dans ce grand mystère de la louange de Dieu qu'on vivra dans l'éternité. C'est comme un petit enfant qui s'éveille à ce mystère. Laisse-les ce qu'elles sont et ne t'en soucie pas.